Yes, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est-à-dire, là c'est la partie 2 de la vidéo pêche au gardon et aussi au vif. Ça veut dire, là on va essayer avec la suite de la pêche. C'est-à-dire, entre-temps, entre la partie 1 et la partie 2, on a pris un gros gardon et un petit gardon et c'est tout. Là ça mord pas bon, énormément. Ça mord moins bien que tout à l'heure. C'est la boule d'amorce. Oh, il y a une touche là-bas, les gars. Sur la grosse lame. Ah, ça pique. Là, ça a piqué. Possible après, c'est que ce soit le vif qui bouge. Au prochain poisson. C'est-à-dire poisson. Avantage. Je pêche avec des hameçons sans ardillon. Quand vous prenez votre hameçon sur le poisson, juste à faire tac, et ça s'enlève tout seul. Et ça abîme pas le poisson, ça lui fait pas mal. Dire nous, on utilise de la morse. Ouais, d'ailleurs, il va falloir enlever du soleil, parce que... Et on utilise aussi des asticots. Cette partie de pêche est quand même assez calme. Mais bon, moi je m'amuse de verre, non ? J'espère que ça va mieux mordre. On se retrouve au prochain fish. Poisson. Ça mord bien. Oui, il est pris au fond. Bien sûr, les lignes à carnassier et toujours rien. L'ours. Oh merde! Ça doit y retourner aussi vieux quoi. Je vais ramasser. Il est tombé à l'abeille. Capté. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous. Un abonnement. Souscrivez un abonnement. C'est gratuit. Et n'hésitez pas à noter dans les commentaires ce que vous préférez, quel type de pêche. Pour l'instant qu'une ligne est partie niveau brochet. On espère que ça va aller vite. Bon, et pour cela, on se retrouve pour le prochain fish. Là, il y a... Là, il y a des tapes sur la ligne. Oh, si, il y a quelque chose. On attend qu'il gobe. Prends et faire. Maman, tu es là ? Oui. Ok, épuisette. Là-bas, épuisette. Fluo, fais gaffe. C'est gros. Ouais, il va
là où? Il est rendu où là? Je sais pas. Il est loin, il est loin, il est loin. Il est encore ou pas assumé? Oui. Oh là 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 là. En direct. Mio, donne pas de mou surtout. Hein. Donne pas de mou. Pas peur d'être très long, frère. Là, tu le sens? Ouais. Mmh. Resserre un peu le train. Ouais, resserre un peu. Resserre un peu. Comment? Non, de l'autre sens, de l'autre sens. Vas-y, mouline, mouline. Vas-y, arrête, arrête, arrête. Non, non, attends, attends. Si, si, il part, il part, il part, il est encore là. Ouais, c'est dans ce sens. Voilà. Vas-y, là, tu vas. Là, il va venir. Là, tu mets, là, je te dis qu'il va venir. Non, il a cassé. Voilà, ça n'est pas retour, c'est réglé, trop resserré. Oh non. Mais non. Non, non, non. Si, peut-être qu'il aurait laissé le frein comme ça, peut-être. Mais non, parce qu'il pouvait même pas mouliner. Il moulinait dans le vide. Bon, bah c'est pas grave. Brochet loupé, en direct. Il moulinait dans le vide. Il était énorme ce brochet, vous l'avez vu en direct. Non, personne l'a vu. Vous avez vu le combat, il était... c'était un gros brochet, il était sûrement maillé. Bon ben, c'est pas grave, ça arrive à la pêche. Bon ben, on se retrouve au prochain poisson. Bon ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'il y aura une partie 3 de cette vidéo. De toute façon, vous le verrez sur la chaîne. Nous ne savons pas s'il y a des départs ou pas. Il y aura peut-être une... Ça dépend. Ça dépend des poissons. Bon, et pour cela, je vous laisse. Salut !